صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. كل شيء يكتب يرسم وكل شيء يرسم يكتب، فالرسام هو كاتب والكاتب هو رسام. فاليوم بفقرة كتاب اللي هي فقرة عودتكم شوية تطلع من حدود استوديو ولبنان إلى العالم الأجمع. اليوم حلقة مميزة، طلعنا شوي حتى برات أمريكا، برات أوروبا، وصلنا على آسيا. اليوم ضيفة مميزة، ضيفة صينية الأصل وفرنسية كمان، كتبها ترجمت إلى أكثر من 40 لغة. واليوم شرف كبير أنه نستضيفها باستوديوهات الام تي في، لأنه جاي كرمال أكيد توقيع كتاب مباحة وقعته بليبري أنتوان بالأبيسي لاسيتارنو، ولأنه كمان عندها اليوم وغدا معرض لرسوماتها اللي بتعرضهم أصلا بنيويورك وطوكيو وفرنسا. اليوم بحب رحب بالكتبة الصينية الفرنسية العالمية شانسا. شانسا، vous êtes la bienvenue. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir dans les studios de la MTV. Ça me fait grand plaisir aussi que vous aviez accepté de venir vraiment entre peut-être deux rendez-vous pour faire notre entrevue ensemble. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré aussi, Karen. Merci beaucoup. Je voudrais juste un peu vous introduire aux téléspectateurs libanais et d'outre-mer. Shansa, أكيد صينية الأصل، ولدت بالصين سنة 1972، أصدرت أول ديوان شعر لإلها باللغة الصينية، كان عمرها بس 8 سنين، واعتبروها أكيد عبقرية بالأدب المعاصر. انتقلت سنة 1990 على فرنسا، وين أكيد درست اللغة الفرنسية، وكمان حازت على إجازة بالفلسفة وتاريخ الفن. وبعدين تعرفت على رسام الشهير بالتوس وزوجته اليونانية أكيد اليابانية ساتسوكو، وتعلمت فن الرسم، وهي عدا أنها كاتبة وشاعرة هي رسامة عالمية كمان. أول رواية أصدرتها باللغة الفرنسية كان عمرها بس 24 سنة، وكانت أخذت فيها أكيد لابورس غونكور دو بروميير رومان. ومن وقتها كتبت أكثر من 7-8 روايات باللغة الفرنسية، وكلهم نالوا على أكيد جوائز كثير مهمة، خصوصا لجواز دو جو اللي ترجم إلى 40 لغة، وحتى عم بيدرسوا إنه ينعمل كمان فيلم بهوليوود. On était en train de vous introduire, on va vite passer au sujet. D'abord, Shansa, qu'est-ce qui vous ramène au Liban aujourd'hui? Alors, je viens au Liban en tant qu'écrivain, donc je signe mon livre La Citarnue à la librairie Antoine, mais aussi en tant que peintre. Je suis exposée à partir de ce soir, à partir de 17h, avec une inauguration sous le patronage du Premier ministre Hariri, au pavillon Biel, donc le pavillon royal. Oui. Et je suis là-bas pendant 2 jours pour exposer mes peintures. D'accord. Avec une galerie anglaise, je suis très internationale. On le sent déjà, vous êtes très cosmopolite. سألت ليه يا حبيبي لبنان؟ عم بتقلي لأنه جيت وقعت كتابة لسيتارنو بمباحة بليبري أنطوان بالأبيسي، وكمان عندها معرض لرسوماتها بالبيال اليوم وبكرة. وأكيد تحت رعاية الوزير رئيس الوزراء الحريري. دونك racontez-nous, vous êtes auteur, vous êtes poète et vous êtes artiste peintre. Comment vous vivez tous ces talents? Et est-ce que quand vous êtes peintre, vous êtes aussi poète et écrivain, ou vous pouvez vraiment séparer les deux talents? Alors, dans la Chine traditionnelle, c'est un pays qui a 5000 ans de civilisation, aussi que le Liban. Et nous avons cette tradition, en fait, que un être cultivé doit savoir écrire de la poésie, faire de la peinture et aussi faire de la musique. Donc aujourd'hui, je sors un roman sur la musique chinoise et je peins.
j'écris des poèmes. Pour moi, c'est un tout dans lequel où chaque branche donne un aperçu de la vie. سألتها قلت لها حضرتها قسامة وبذات الوقت أكيد كاتبة وشعرة سألتها إذا وقتها تكون قسامة بتنسى أنه هي عندها موهبة الكتابة أو إذا هن كلهم ما بتفرقوا عن بعضهم تعمل أنه سين عندها حضارة 5000 سنة مثل لبنان وبتعلموا هن كمثقفين أكيد أنه يقدروا بكل يعني يقدروا يعطوا بكل المواهب اللي عندهم إياها ومن هيك أكيد عندها هي يعني الموهبة الرسم وموهبة الكتابة وموهبة الشعر اللي هن ما بيتجزأوا عن بعضهم أكيد. Vous êtes donc chinoise, bien sûr aussi vous écrivez en français, vous êtes traduit dans plus de 40 langues. Et qu'est-ce qu'il y a en vous qui est très chinois et qu'est-ce qui est plutôt européen? Parce que quand on remarque dans tous vos romans, et surtout dans La Cithare nue, là où vous revenez dans le temps, dans l'ancienne Chine, il y a toujours aussi donc, ce retour aux racines, mais on sent aussi ce côté européen, moderne, ou qui est un peu aussi, qui fait ressortir la femme un peu de la tradition chinoise qui était très stricte. Je pense que les Libanais me comprendront parce que nous faisons partie de cette espèce d'êtres humains qui aiment voyager, déraciner, aller vivre ailleurs, mais tout en gardant l'identité culturelle. J'ai beaucoup d'amis Libanais qui parlent beaucoup de langues et qui ont beaucoup voyagé, mais lorsqu'ils parlent du Liban, c'est toujours la flamme, c'est toujours l'amour où va leur passion. Ouais. Et j'ai le même rapport avec la Chine. Je me sens française, bien sûr, de l'éducation française. Je voyage beaucoup, mais la Chine est mon inspiration. Ouais. La Chine est ce pays que je véhicule. Lorsque les gens viennent à ma rencontre, bien sûr, d'abord, il y a la France, parce que c'est l'écriture française. Je suis connue en tant qu'auteur français, mais tout de suite, en fait, ils sont séduits par la Chine qu'ils voient à travers moi. Bien sûr. Je crois que par votre physique, oui. Déjà, on a envie de rencontrer une nouvelle civilisation. Et bien sûr, ça se rejoint à votre passion pour la Chine. دونك سألت أنه هي أكيد سنية الأصل ولكن كان بتكتب بالفرنسي وعايشة بفرنسا من سنة 1990 شو بتحس حالها أكثر؟ بتقول أنه أكيد مثل أنه نحن ممكن نفهمها لأنه اللبنانيين كمان بنسافر كثير ونحن موجودين بكل العالم ولكن عندنا شغف لبنان وحب لبنان وعلى طول لبنان هو مصدر يعني اللي بناخذ منه كل أكيد قوتنا و أكيد يعني مصدر الوحي كمان أكيد. Donc vous êtes là pour signer et vous avez signé hier et c'était très réussi La Cithare nue qui est un roman historique où vous remontez à 4000 ans dans la Chine ancienne. Pourquoi ce retour aura, c'est-à-dire vous ne parlez pas de la Chine d'aujourd'hui, vous parlez de la Chine historique, d'une civilisation quelque part, d'une société qui n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi de remonter 4000 ans? Je présente dans ce roman une époque qui est même très ignorée en Chine, car c'est la Chine médiévale, c'est la Chine qui a été occupée en partie par les tribus nomades de l'Ouest.